Et t'as de la chance que je te baisse pas en plus. Tu me dis où t'as caché le bébé, puis tu rentres dans le troupeau. Mais enfin, quel bébé? Je voudrais parler à votre chef. Oui, votre supérieur hiérarchique. Mon quoi? Il y a bien quelqu'un qui coordonne toute votre équipe, non? Mais qui? Oui, vous êtes pas tout seul, quand même. Hein? Ah non, bien sûr. On est plein. Ah ben voilà, ben je ne parlerai qu'au chef des pleins. Le mieux, c'est que vous me dites tout à moi. Moi, j'entendais parce que je suis très proche de lui, comme ça, je peux non, tout non, à fait non, lui non, dire. Non, je ne parlerai qu'à un responsable, vous comprenez ce que j'ai à dire, il est trop important. Le bébé, c'est énorme. Énorme. C'est vrai. Ah, vous comprenez, il faut un responsable. Et puis, je vais à manger et à boire. Ben, hier, t'as pas mangé, peut-être? Si. Ah! Tu vas pas chercher à me baiser, moi. Ni mon équipe, d'ailleurs. Alors, toi, tu manges tous les jours. Culot. Physiquement, vous êtes encore en forme quand même. Hein? Si jamais le type, si moi je m'absente et le type veut s'en sortir, vous pouvez l'attraper, vous pouvez le maîtriser, c'est sûr. Oui, hein, je peux compter sur vous, c'est certain. Attention, doucement, reste là. Ne bouge pas. Attends, doucement, c'est pas régler la circulation que je veux, c'est juste arrêter quelqu'un, le maîtriser. Oh, c'est pas un enfant qu'il faut surveiller, c'est pas une crèche, c'est un adulte, c'est pas un enfant que t'agis de faire comme ça, de ça naître quelque chose de beaucoup plus énergique. Un truc comme ça, ça pourrait aller, ça. Oh, putain! Si tu l'as pas tué, oui. Bah non, là il y a un réveil juste un peu étourdi, là. Non, pas moi, faut pas me prendre. Je peux pas faire ça, moi. Attends, si je retrouve un bébé, c'est important que j'ai une dame qui puisse m'aider, tu comprends? Je peux pas, je comprends pas comment ça marche tout ça, la société, les règles... Enfin, c'est quand même pas compliqué de savoir que les règles de la société, moi je peux t'aider, par exemple... Non, je connais pas. Non mais attends, laisse-moi finir, par exemple, c'est quoi notre régime, c'est quoi par exemple? Le régime, je sais pas, je le fais, moi. Non, je parle pas de celui-là, je parle du régime, qui c'est qui nous gouverne? Est-ce que c'est par exemple des rois, des princes, des princesses, des fées, des dragons? Ou la démocratie? Dernier, ça me dit quelque chose. Eh ben voilà, tu vois que tu sais des trucs, tu sais comment ça fonctionne, c'est ça. Et alors, je prends un autre exemple. Par exemple, si par exemple tu aides la police, hein, tu fais un coup de main à la police. Si par exemple, il y a une dame qui te demande de l'aider dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Si je suis dans la police? Non, si t'aides, si t'es pas dans la police, mais si tu aides la police. Bah, si elle est bien habillée, je l'aide. Si elle est habillée moyen, je dis que je vais verrer plus tard. Si elle est habillée pour Rave, Clodo, machin... Une bête dans sa gueule, elle circule. Et si elle s'est mal à gueuler, ben ça, je l'amène au dépôt, ça, je sais. Bah, tu vois, tu sais des trucs. Ah ouais, ça, je le sais. Et en plus, si cette dame, par exemple, te dit qu'on lui a pris son bébé. Un salopard. Qu'est-ce que tu fais? Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, ben moi, je lui démette la gueule. Je supporte pas ceux qui s'en prennent à des petits-enfants qui n'ont rien demandé à personne pour naître. C'est des gens, il faut les décapiter vivants, les lapider à coups de hache. Et j'en fais du pâté. Du pâté!